Ok. Connexion. Allez. Grande police. Oui ou non? Allez. Je suis aveugle, s'il te plaît. Oui, c'est quoi? Non. Pourquoi je vais mettre oui, on sait jamais. Français, français. Activer la narration dans les menus. Anglais uniquement. D'accord. Mode sous-titre. Dialogue scripté, dialogue exclamation, tous les dialogues. Allez, tous les dialogues, taille des sous-titres. Ça m'a l'air pas mal. Luminosité, on est bon. Inverser l'axe X, Y, pardon. Type de mixage, tiens non, on a quoi? T'as modifié le type de mixage? T'as mis casque audio? Ouais, casque audio, ouais. Allez, se motive. Vas-y, l'arme de poing, ça donne quoi? Ah, sympa! Création du personnage. Sélectionnez le type de corps. Ça. Ok, en fait c'est homme ou femme. Tu peux changer le type de corps pour homme et femme. Ouais, en fait c'est sexe en fait. C'est juste qu'il voulait pas. Il voulait pas mettre sexe pour éviter de trigger des abrutis quoi. Oui. Avec et alors les androgynes et les machins et les ceci et les Ah, mais cela. putain, mais sérieux. Ça a tendance à me faire péter des plombs ces histoires. Ça y est, je suis arrivé à la base d'opération, la Sélectionner classique. une catégorie. Ah, la fameuse base d'opération. Ah, elle est classe, ma meuf, moi. Bon, Vas-y, si on moi je vais faire visitait. un mec, je vais faire le mec le plus difforme possible. T'es sérieux? Ouais. Hauteur des sourcils. On va mettre très haut. Épaisseur. Très épais. Contour des yeux. Vous avez des objets dans la boîte. Alors, vêtements. Ah oui. Vêtements. Magasin de vêtements. Demander de l'aide. Jumping packs. Emotes. La gueule de crapaud. Ah, tu peux faire des emotes aussi, mec. Les emotes. Ah, tu peux faire un pierre-feuille, papier-ciseau, mec. Ah oui, puis t'as les emotes où ils s'entraident, tu sais. Comme tu te souviens de l'emote. Ah, je sais pas. Tu me Tu dis verras, je ça. t'en rentrerai. Couleur de la peau. Bah, très très blanc, hein. Fluo, même si je peux. Couleur des yeux. T'es sérieux, mec. Je vais faire un crapaud. Ah, ouais, ça ressemble bien à un crapaud là, je suis content. Alors, c'est quoi déjà l'arme? Ça ressemble à une sorte de MP5X, un truc dans le genre, je sais pas. Genouillère 0. Ouais, c'est un MP5 commando quoi. Inventaire. Ah, si. Sélectionner. Masque épuisement, épuisé. Puissance de combat, comparé, préféré, option, sans équiper. Je peux pas m'en équiper. Sélectionner. Genouillère prot. Ah, si, je peux les équiper. Protection 262. Et donc, du coup, celle-ci, je peux démanteler. Ah, ouais, tu peux démonter l'objet et tout. Et du coup, tu récupères des tissus protecteurs. Excellent. Comme la dernière fois, quand ça va être Ça. dur. Holster peu fiable. Ouais, c'est tout le loot classique, quoi. Si, ça m'avait manqué quand même un petit peu ce système de loot et tout, quoi. Où t'as trop le seum quand j'ai des bons trucs et inversement, quoi. Ouais, alors moi je me souviens surtout que c'était moi qui les avais les bons trucs. C'est vrai Sorry not que. sorry, hein. C'est vrai que t'as Question trop eu. loot, la plupart du temps c'était moi qui m'en sortais bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais niveau aim, c'était moi qui te niquais par contre. Niveau quoi? Niveau aim. Ah, très honnêtement, je m'en souviens pas. En même temps, je me souviens surtout que c'était pas compliqué. Je me souviens, tu me disais, mais comment t'as alors qu'elle est tête comme ça? Pas impossible. Ça me plaît bien.
Ah, parce que ils ont des tatouages sur la gorge aussi, tout ça, tout ça. Ouais, moi j'ai mis de la glu. Ouais, moi c'est tête de mort obligatoirement. Ouais. T'as pris un black du coup ou un jaune? Non, j'y prends, tu verras, tu sais quoi? Tu verras, je te laisse la surprise. Faut juste pas me regarder dans les yeux en fait. Mec, il a une tête de crapaud, tu vois, genre bien fine, bien machin, avec des yeux jaunes. Attends, c'est où déjà les technos? Pourquoi? Il y a des tatouages sur les jambes aussi, attention. Nouvelle technologie. Ah oui, cache de maîtrise du terrain, c'est quoi ça? Cache de maîtrise. Pas de couvre-chef. Oh, un MK16. Pas de lunettes. Nice. Ouais, alors par contre, j'aimerais bien avoir un truc à minimum tactique, si possible. MK16 dégâts, 168, CPM, chargeur 30. Bah du coup, on s'en équipe là. Ah non, c'est un P416 militaire qu'on a au début, mec. Un P416, ça c'est un Ouais. M16 normalement. Ah, c'est un AR-15 en fait, pour être exact. Nouvelles compétences disponibles à la base d'opération. Je sais pas comment on fait pour les mettre les nouvelles compétences, mon pote. On Alors, va y arriver armes, vite, hein. compétences, compétences. D'accord, on pourra avoir d'autres écussons plus tard. Voilà. Allez, parler à Voulez-vous continuer avec ce l'intendant. personnage? Mais bien sûr que je veux continuer avec ce personnage! Déblocage de compétences. Impulsion. Ouais, Si tu peux. effectivement, là, on va taper un peu dans les options là tout de suite. Tourelle. Paramètres. Alors, commande. Sensibilité de la souris. Tu l'as mis à combien ta sensibilité? Je suis descendu à 15 moi et 20 en Vache. visée. Mec, t'as des mines téléguidées, des lucioles, des drones, des. Ah, ça va être trop de la balle! La garder aussi. Accélération, non. Fluidité, blablabla. Bon, t'as touché autre chose rapidement ou pas? Globalement, non, à part les trucs de base Ah, il y a de deux commande. écrans. T'as vu que t'avais. Un deuxième écran? Il y a l'option deux écrans. Pour configurer l'interface pour deux écrans en la décalant à gauche ou à droite. Ouais, tu peux la mettre sur la gauche, l'interface, du coup. Ouais, sauf que mon écran il est au-dessus donc. Ok, et bah écoute, on va se lancer comme ça, dans un Non, je premier préfère avoir un temps. seul écran, perso. Agent, par ici. Attends, parce que. Rejoignez-moi à la porte. Choisissez Mission la prioritaire compétence que vous voulez amique. débloquer, mais je sais Rendez-vous pas au à quoi elle scanner. sert, mec. Impulsion. Tourelle, ruche, lanceur chimique, luciole, mine téléguidée, drone, Agent, bouclier. suivez-moi. J'ai besoin de renfort. Oh, le jeu est propre hein, quand même. Hein. Sautez Eh, par ici. je sais pas quoi prendre. Je vais mettre un drone. Je vais prendre. Je prendrais bien la tourelle en vrai, c'est une bonne option. Ok. Tourelle assaut qui attaque directement les cibles hostiles contre les ennemis. La tourelle incinération projette des. Ouais, mais l'autre elle me lance une grenade sur les pieds quoi, elle va pas bien cette meuf! Tire des fonctions de gros calibre sur des cibles sélectionnées manuellement. C'est de la balle! Oh, y'en a un. Bon, ça c'est plutôt fluide. Je suis en train de regarder les compétences là. Aveugle les ennemis survolés. On aurait pu tester au combat. Alors, la touche de. Ok, la touche principale pour les actions c'est F apparemment. Faudrait peut-être que je la déplace sur E. Oula. Ah, cinématique. Porte, sécurisez le périmètre. Occupez-vous de ces barricades. Demandez à quelqu'un de contacter les patrouilles pour qu'elles Mec, la recherchent mine les traînards. téléguidée, tu vas kiffer. Certains de ces fumiers se sont enfuis. C'est un R15, c'est ce que je dis. Je m'attendais pas à une autre attaque aussi rapidement. Ça va? Si ça continue, Mine on va devoir téléguidée en bouger. explosion aérienne. Allez, Wow. donnez-moi un coup de main.
Ah, la mine téléguidée à sous-munition. Ah bah voilà, mais ça c'était mon joujou de la dernière fois. C'était un lanceur chimique aussi, mais... Pas encore. Allez sur le front. Et je pense que je vais prendre le scanner, tu sais, c'est l'impulsion au début qui permet de détecter les ennemis. C'est vraiment le... L'impulsion scanner, c'est là, c'est vraiment le truc de base. Recharge. C'est un signal de détresse, avec les coordonnées de Washington. Mais comment c'est possible? T'as des compétences et après t'as des bonus personnels. À terre! À terre! Ouais, ça va être encore un système de perte quoi. Tu vas améliorer un truc dans un certain... Enfin, tu vas améliorer genre ton tir, ta stabilité en particulier, et tu vas te spécialiser dans une arme, tout ça quoi. Genre t'auras un perso, il va être buffé pour plein pour un truc en particulier, et s'il est pas buffé, tu pourras te spécialiser réellement quoi. Tu pourras pas tout faire. En tout cas, elle a l'air bordélique cette histoire. Du coup, Fior, la map. On ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait. Forteresse, ah non. Du café bien chaud le matin. Le wifi gratuit. Dark Zone. Dark Zone Sud. Et quand tout a disparu, on a survécu. Ça a l'air fat, hein. Quand les communications. Dark Zone Est. Les trains et Internet sont tombés en panne. Capitole on a survécu. Mais quand les pharmacies ont commencé à être pillées et les hôpitaux fermés, l'asthme est devenu une maladie mortelle. Okay. Plus de police pour vous protéger. Vous aviez une arme? Votre voisin avait une arme? Certains ont survécu. La carte, je crois, c'est virgule. Ouais, ça. Notre espèce est coriace. Lorsque la société s'effondre, l'homme se relève. Okay. Mais pour la première fois depuis des siècles, ce qu'on veut devient bah, aussi écoute, ce dont on a besoin. J'ai fini tous les trucs prévus. Face à la catastrophe, nous nous sommes entraînés. Les armes, les machins, nous avons créé de nouvelles communautés sur les ruines de la société. Nous nous sommes adaptés. Nous avons établi la nouvelle normalité. Ouais, mais il te reste encore plein de trucs. Tu vas encore. Mais il y a ceux qui ne bâtissent rien. Tu vas devoir buter 2-3 mecs pour arriver du coup à la base d'opération, la Maison Blanche. Des hyènes traquant les plus faibles. Bah, t'as mangé toi déjà là? Notre monde saigne. Bah, go manger le temps que nous je fasse tout ça, comme ça quand tu reviens, on est bon, on go, hein. Je peux quoi bouffer. Quelques braves ont juré de je nous protéger commander. Et des de sauver ceux qui restent. Ils nous unissent. Puis non, fais-toi des ils pets. Ils nous rappellent que nous sommes un peuple. Ils sont notre bouclier. C'est quoi déjà notre lumière. Mais si cette lueur s'éteint. Activation de la compétence principale. Alors qui nous sauvera? Grimper, employé couvert, interagir. Sprint. Employé compétence de l'agent. Ah, c'est Aïe. Ah ouais, exact. Ouais, c'est les deux... 7 mois se sont écoulés. C'est pas bah, les deux compétences de que t'as, normalement. C'est là que tu vas choisir, genre, ta mine et ta tourelle, ou une connerie comme ça. Nous ouais, vivons toujours dans la peur du virus, le poison vert. Mais le vrai danger est encore là. Il attend. Des objets dans votre boîte de réception. D'accord. Par contre, tu peux pas l'activer, là. Ma boîte de réception. Soft réflexion. Et Ubisoft Annecy. Ah, j'ai une arme niveau 3. MX. Pourquoi je peux pas m'en...
m'en équiper. J'ai préparé. Exception. Marqué comme rebut, tir. En tout cas, je sais pas si je l'ai configuré en très beau ou pas beau ou machin, mais il est propre et il tourne bien. Ouais, mais pourtant, je sais pas. Attends, je peux pas prendre mon arme, mais du coup. Ok, un petit M9. C'est quoi déjà pour ouvrir son du canal d'urgence de la SHD. Priorité flash. La base d'opération est attaquée. Les troupes ennemies ont réussi à oh, une biche. Elle est morte la biche. Nous avons besoin de renforts. Non, c'est un cerf, c'est une biche. Bah je sais pas, je l'ai tué de loin, pas de loin, pas de loin. Ah ouais, c'est un cerf. Je peux le tuer, je peux le manger? Non, je peux pas le manger, c'est chiant. Le manger. Pourquoi voudrais-tu le manger, mec? Parce que c'est de la survie, mec. N'importe quoi. Affecté à l'emplacement. Affecté à l'emplacement. Ah oui, tu peux le choisir en A ou en B. Du coup. Ça c'est quoi ça? Un holster modulaire. Ah, c'est pas très précis comme ça. Ah, du coup, y'a rien qui se loot, ouais. Si tu peux, tu récupères des trucs au début, sur. Je sais pas pour le moment, j'ai rien récupéré. H, équipement. Pactage, crée, tu peux créer. Mec, il est violent leur menu, hein. T'as de l'info, hein, c'est moi qui te le dis, hein, putain. Non, de l'info, quoi. Affecté à l'emplacement, ouais. Du coup, tu peux même le mod. Ah, tu peux même mettre tes mods, tes compétences, attends, mec. Attends. Ça va être fort, ça, on va voir. Non, ça va être pas fort. Non, franchement, ça a l'air. Ouais, il est pas mal. Sensibilité, je trouve la trouve encore un peu. Agent, si vous nous recevez sur cette fréquence, continuez dans cette direction et prenez ces salopards par surprise. Oh, le magasin de vêtements. Tu peux acheter des skins d'armes aussi. Ok. Ami en ligne 2. De renfort. Je t'ai envoyé une demande de backup. C'est moyen précis par contre. Effectivement. Facilité. Ok. Clank. Alors, juste peut-être que je modifie un ou deux trucs, mais. Comme ça par défaut c'est déjà pas mal. Par contre les mecs ils font de la rotation au niveau des tirs. Jamais même qu'ils tirent dessus. Ouais, ils sont un peu plus intelligents. Deux écrans. Ça servait quelque chose, les gens de la Maison Blanche là, ou ils sont juste là pour faire joli? Ouais, c'est comme d'hab, ouais, ils défendent la base.
épée de corps. C'est kit de protection UV. Malus. Alors. Compétence d'agence 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Mission. Ok. C'est toi? Quoi? Ah non! Ah non, y'a un mec, un mec random qui a rejoint mon groupe. Lol. Ouais. Ok, donc je suis dans la base d'opération maintenant. Mais attends, je vais le dégager parce que je peux pas tuer. C'est qui ce bâtard? Sélectionné. Comment on fait pour le. Comment on fait pour le dégager? Vous avez débarqué au bon moment. Écarté joueur. Lui déjà j'arrive à le mettre dans la table, c'est plutôt bien. Bon bah je vais dans la Maison Blanche, c'est le hub en fait la Maison Blanche, c'est ça? De quoi? Je dis la Maison Blanche c'est le hub. Ouais c'est ça. Merci pour le coup de main. Vous devriez aller voir Manu. Ah en fait quand tu fais une demande de renfort, t'as des mecs qui peuvent te rejoindre random en fait quand ils ont pas d'amis. Mais okay. Ok donc c'est là-dedans que je peux regarder, donc dans mes armes d'appoint. Zéro mode, zéro machin, zéro bidule. J'ai rien dans le store. Ok. Pour les anciens joueurs, ils ont rien donné. Cool. Je peux pas t'inviter dans mon groupe. Ouais, mais je t'invite dès que j'ai terminé, je pense. Non, mais je pense que je peux pas t'inviter tant que t'as pas. Oui, c'est pour ça. Bon, je t'attends, je vais fumer. Ça, c'est vous. Bienvenue à Washington. Je suis Manny. Communication. C'est l'alerte de la division qui vous a fait venir. Je suis content de vous voir. Je vais vous montrer à quel point on est dans la merde. Depuis que la JTF a implosé, la ville est devenue un terrain de jeu pour les sociopathes. Il y a plusieurs factions principales, et plein de petits poissons qui récupèrent les miettes laissées par les gros. Quelques camps de civils tiennent encore le coup face à toutes ces horreurs. Mais l'aide qu'on a pu leur donner jusqu'à présent est loin d'être suffisante, surtout depuis la panne de la division. Ça, c'est Kelso. L'un des derniers agents encore en vie à Washington. Elle a été envoyée en mission prioritaire au refuge du théâtre. Vous devriez aller la voir. S'il y a quelqu'un qui sait comment réactiver les systèmes, c'est elle. Oh, et profitez-en pour vous présenter aux civils sur place. Histoire de les rassurer. Il y a un nouveau shérif en ville. Ah d'accord. I am the sheriff. Tant que j'y pense, agent, descendez voir l'intendant quand vous aurez un moment. Il pourra vous fournir du matériel de la division. Mettez toutes les chances de votre côté. Au supérieur, ok. Hey, agent, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Ça fait plaisir d'avoir une vraie activité. Ok. Les visions sont basées sur des plateformes de compétences dotées de certains nombre de variantes qui existent. Tout une plateforme de compétences. Ok, c'est cool ça. Compétences se débloquent en accomplissant certaines missions principales. Vous pouvez débloquer les plateformes de compétences dans n'importe quel ordre. Choisissez la compétence que vous voulez débloquer en premier. T'as pris quoi toi? Moi j'ai pris le scanner. C'est l'impulsion scanner qui révèle les ennemis. Prends un truc agressif, je pense. Peut nous aider. Pff, la tourelle ou la mine téléguidée. Ouais, l'un ou l'autre. On essaye de se les répartir histoire. Je vais faire la tourelle au début parce que il me semble qu'il y a des histoires de prise d'objectif, tu sais, de capture de points, des trucs comme ça. Donc, il y a moyen de poser ça en appui feu. Le drone il fait quoi? En fait, il n'y a pas le détail. Il faut deviner quoi. Si, tu peux sélectionner et puis ensuite voir le truc. Tu le sélectionnes et t'as différents modes en fait pour chaque compétence. T'es quoi, je vais prendre la tourelle, je vais pas me prendre la tête. J'ai un point de compétence. Donc, ok. Donc, tourelle d'assaut. Celle-là, elle tire. Tourelle sniper.
Débloquer une plateforme. Trois snipers tirent des munitions de gros calibre sur des cibles sélectionnées manuellement. Ah, c'est bien pour les boss du coup. Contrôler manuellement par l'agent. En déployer la toile d'incinération projette des flammes formant un cône vers l'avant. Donc c'est pas automatique. Ils attaquent automatiquement, si. Bon, je vais prendre ça. Alors, on passe la tête au début. Ah, je peux t'inviter dans le groupe. S'équiper des compétences. Une fois débloquées, les compétences sont disponibles dans votre inventaire. Vous pouvez mobiliser, vous équipez les compétences que blablabla. Bah, tu viens dans le mien ou je viens dans le tien? Parce que moi j'ai pas fini le tuto là du coup. Je peux toujours pas t'inviter. Ok, je regarde que c'est bon. Comment débloquer une nouvelle plateforme de compétences? Vous pouvez débloquer les variantes de compétences afin de modifier les fonctionnalités, récupérer les technologies SHD en jouant les missions technologie, techno SHD en passant par des niveaux, en trouvant leur cache, blablabla. Ok. Bonus, donc ensuite c'est les bonus. Bonus sont des avantages passifs améliorant votre personnage de manière diverse. Ok. On acquiert des bonus en utilisant les techno SHD, l'ordre de déblocage importe peu. Certains bonus présentent des niveaux d'amélioration, pour débloquer les niveaux élevés de ces bonus, il faut d'abord en débloquer les niveaux inférieurs. Bon, c'est QFD j'ai envie de dire. En fait, il faut en repérer un et prendre le niveau 3 le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. Trois kills de marque active en permanence, maintenez F pour les débloquer. Ok. T'as pris quoi? L'emplacement d'armes, j'imagine? Ouais. En fait, on n'a pas le choix. Non, tu peux prendre que ça. Un agent demande okay. Du backup. Je sais pas comment on fait pour créer un clan. Et ensuite, personnel, c'est quoi? Personnel, c'est de la merde. Ok. Oh, la map! Au nouveau. Factions hostiles sont fortement implantées dans les forteresses, affaiblissez ces factions en menant à bien des missions principales afin d'accéder à leurs forteresses. Les milices d'habitants ont pour base les refuges. Les refuges sont des lieux sûrs où les habitants se sont regroupés afin de s'appuyer, protéger mutuellement des dangers d'ici. Le refuge le plus proche est celui du théâtre dans la partie est de la ville. T'es allé au théâtre déjà? Non, maintenant c'est la première mission. D'accord, dont des missions, blablabla. Rendez-vous dans les refuges et voyez quels sont leurs besoins. Tenez à bien les missions des refuges, débloque de nouveaux matériels et compétences. Cela améliore également le refuge et fournit la base d'opération du nouveau personnel. D'accord, bon, on va voir les choses petit à petit. Hein. Donc toi, t'es en attente de faire la première mission, c'est ça? Ouais, je suis. J'ai récupéré l'arme, je suis allé voir les mecs. Ah, attends, j'ai pas récupéré l'arme encore. Normalement, tu dois pouvoir récupérer le MPX là. J'ai les plus beaux articles de toute la ville. Venez voir. T'es allé voir le marchand ou. Moi j'ai vu l'intendant. Puis là apparemment faut que je parte faire la mission, j'ai pas d'arme à récupérer. Les quartiers que vous allez traverser sont contrôlés par une faction, les Yens. C'est une bande de salopards bien vicieux qui harcèlent les plus faibles et tuent pour le plaisir. Sans compter qu'ils détruisent tout ce qu'ils ne peuvent pas récupérer. Ces types sont un sérieux problème, particulièrement pour la communauté du théâtre. Vu la situation, on a besoin de l'aide des communautés. Elles doivent se joindre à nous et il faut faciliter leur survie. Faites votre possible pour alléger la menace qui pèse sur elles. Mais n'oubliez pas que nous devons restaurer le réseau de la SHD. Dans de nombreux cas, la division est la seule chose qui relie encore les gens entre eux. Washington est prioritaire et la plupart des agents sont complètement isolés. Ils ne tiendront pas longtemps sans notre aide. C'est moi le chef du groupe, était. Invitation à rejoindre le groupe d'un autre agent reçu. Invitation à rejoindre le groupe d'un autre agent reçu. Alors vas-y, regardez. Pas refusé? Non, je sais pas où c'est. Tu fais échappe, social, double clic, ensuite il... tu dois avoir. Ah mais après c'est tout grisé, j'ai que des croix de partout. Invitation de Will expiré. Vous avez reçu une invitation à rejoindre le groupe d'un autre agent. Page F2. Application. Ah, c'est bon, ça a l'air de passer. C'est chelou au début, t'as vu ce que tu peux faire à espace pour sélectionner au double clic.
Je crois que je t'entends en double dans le jeu. Ouais, mais c'est à la zone de sécurité. Groupe, alors. Hop. Mais bon là. Tu peux faire couper son du groupe avec X. Avec X ? Ouais, quand tu vas dans le groupe, tu peux faire couper son du groupe. Et du coup, moi je t'ai coupé. Vas-y, parle là. Hello ? Ouais, je t'entends en double. Attends, du coup, si talonnage coopératif. Lors du jeu avec des agents de niveau plus élevé, les ennemis ajustent leur niveau à celui de l'agent. Vos stats seront temporairement augmentés afin de correspondre au niveau du défi. Plus élevé. Étalonnage coopératif ne s'applique pas en Dark Zone ni en conflit général, d'accord. Donc, alors attends, tu m'as dit dans groupe là, c'est ça? Social, groupe. Couper son groupe. Le groupe t'as X. Ok, c'est bon, j'ai, c'est bon. Du coup, mission principale. Donc là, il faut qu'on aille faire la mission principale. Artefact. Combat, découverte. En raison d'une pénurie de carburant, les générateurs. Attends, c'est toi? Bah oui. Attends, arrête de bouger, arrête de bouger. Et t'as pris le même truc rouge que moi sur le côté? Ah non, t'en as un autre. Attends, c'est quoi ses yeux? Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Par contre, putain, quand je parle. Attends, faut que je. Deux secondes. Non, arrête de tourner! Non, mais je tourne pas, il faut que je modifie mes sons là, paramètres. C'est quoi ses yeux? Il est moche. Ah, il est parfaitement moche, je trouve ça parfait. Audio, c'est dans audio. Désactiver VOIP, oui. Voilà. Toi, tu t'es mis en jean sneakers, quoi. Ah bah ouais, normal. Tu dis, j'ai t'ai fait un petit crapaud, là. Regarde, moi, tu la kiffes ou pas? Bref. Allez, Zou, on y va. J'ai commandé ma bouffe, du coup, je sais pas quand elle va arriver. Faudra mettre en pause. T'as mis le GPS? Pff, ouais, il me semble. Enfin, je sais pas, j'ai un traceur sur le truc, donc... Ok. Si tu me racontes, t'as le même fusil que moi? Ah non, t'as un Scarrel. J'ai eu. Et j'ai eu le rat aussi. T'as eu le cerf? Non, j'ai pas tapé le cerf, j'en ai bon, déjà tué un de cerf. Faut qu'on aille là-bas. Ah, y'a des méchants. Ouais, je vois ça. Ah, AKM. Donc là. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, d'accord, attends, pardon. Si on va dans l'inventaire. Alors attends, progression. Mec, il y a l'AR, CS là. Attends. Comment je fais pour voir l'inventaire? Personnage, c'est ça? Oui, c'est ça. 2. Hop là. Donc voilà, je suis un guerrier rose, je suis avec. Ah ouais, c'est. Ça tire des bastos? L'AK, j'ai un AK moi là, et ouais il tire plus fort mais il tire moins vite. Moi j'ai pris l'AR. Comment je fais pour activer ma fucking compétence d'ailleurs, ça me fait penser. C'est A ou E. Découverte Danton Est. Ah il est beau hein. Ok donc c'est E. Dispositif électronique portable détecté. Avance. Attends, c'est quoi ce truc bleu qu'il y a par terre? Ah mais c'est ta tourelle. Ah, je peux pas la... Je peux pas la ramasser, non. Je sais pas, on va voir. Je vois pas où... Ah si, c'est bon, je crois que j'ai une jauge de récupération. Eh, il y a carrément... Il y a la masse de trucs de feu. Faire joli. Oh putain, il y a du... Oh, il y a du connard. Ils ont pas vu. Attends. Non, tu lui as fait peur! Putain, par contre. Oh, l'arme que j'ai, putain, elle leur fait tellement mal. Oh! Headshot! Il avait quoi? Non, il avait rien.
Toi tu montes tranquille. Ouais. T'es où toi? T'es dans le bâtiment? Par la gauche. Ouais, sur la gauche. T'es à droite. Stratégie. Fuck the government, ok. Y'en a en face. Ouais, vu. Comment tu fais pour les marquer, les mecs? Là, c'est fait. Ouais, mais comment tu fais? Avec ma compétence. C'est fini ou pas? Attends, je le contourne. Un vector, parfait. T800. Tout prendre. Ouais, en fait, on récupère pas la même chose au même endroit au même moment. Ouais, comme la dernière fois, hein, si je me souviens. T821 du marché noir, moi j'ai eu. Putain, tous les niveaux de détails qu'ils ont, les trucs par terre et tout. Imagine avec une putain de carte graphique RTX, ça doit être propre. Hein. Aucune idée. Comment tu fais pour le personnaliser le joujou? Modification. Ah. Est-ce qu'il y en a au moins des modifications? Ouais, ok, mais en fait j'ai pas de truc, c'est ça. Ah, t'as vu qu'on peut aussi partager l'objet d'ailleurs au passage. C'est-à-dire? Ah, j'ai vu qu'il y avait une option pour partager l'objet. Ah, les émotes. Attends, bouge pas, je les dégage à la gras. Attention, attention. Ah ouais. Il se met dedans. Boom. Il se met dedans, c'est une blague. Ouais, ça c'est un petit vector. C'est quoi ça? Protection corporelle, nice. Ouais, masque. Attends, je vais regarder du coup. Tu te souviens quand c'était les gros loots jaunes comme ça dans la Dark Zone? Quoi ça? Cache maîtrise du terrain. Ok. Équipement. Oula, j'en ai un qui est mieux. Bon, pas mieux. Oh là, mais t'es parti loin déjà. Ouais. On peut pas le, je peux pas le wallbang. C'était le dernier d'entre eux. Ok, d'autres combats nous attendent. Ah, un masque. Ah. Attends, je vais les équiper du coup. Corps corporel aussi, pareil. Masque 2, sans équiper. Protection corporelle 2. Non, la protection que je viens de choper niveau 2 est un petit peu mieux. Du coup, en armes. Ah ouais, le T800 machin du marché noir. Mais je pense que j'ai récupéré. Dégâts 203. Ah mais il y a un CPM de merde. Mais c'est pas mal, ça balance des. En fait, par contre, il y a les dégâts, il y a le coup par minute, mais il n'y a pas le DPS. Donc la somme des deux. Ça, c'est chiant par contre. Dispositif portable détecté. Récupéré et utilisé. Ah, dispositif portable. Mais je l'ai déjà pris. Ah, tu t'es oublié de tout. Ah, y'a un chien. Quoi, tu les as libérés? Non, je les ai pas libérés. Espèce de connard, on allait demander une rançon. Vous approchez du refuge du théâtre. La femme qu'il dirige s'appelle Odessa Sawyer. Essayez de lui être sympathique. Essayez de lui être sympathique. Oh. Salut.
On va y arriver, hein. Bah oui, on va y arriver. Ah, on se voit tous les deux, je crois. Ouais, cinématique, le refuge du théâtre. Tatatin. Tatatin. Cool. Et où, s'il te plaît? À la ronde. Y'a du pop hein. Non, par contre j'ai des moments où le jeu il freeze pendant une seconde et... Ah t'es dans la cinématique aussi? Ouais. C'est elle? Si vous cherchez l'agent Kelso, elle vient de partir. Elle s'est pris une grenade dans les bras, j'aurais dû y aller aussi. Mais j'aurais fait que la ralentir. Je sais que vous avez d'autres problèmes à gérer. Mais ces ordures de hyènes ont enlevé ma fille. Pour m'avoir moi. Sauvez-la et j'aurai une dette envers vous. Et je paye toujours mes dettes. La Lannister paye toujours ses dettes. En vrai, on fait du babysitting, quoi. C'est ça. Bah, The Division, mec. Hein. Grand Washington Hotel, ok. Bon bah faut aller faire la mission. On va pas aller faire la forteresse tout de suite. Comment on la marque du coup? On clique dessus, mais elle est déjà marquée par défaut. Il y a un déblocage de compétences. Choisir la difficulté. Comment ça choisir la difficulté? Un objet d'équipement, un objet d'équipement, but main, boss. On profiter de notre diversion et récupérer le tas. Les hyènes sont là depuis longtemps et ils connaissent bien les lieux. De toute façon, si tu peux, tu mets tout en super dur. Hein. Si, on peut développer, si on peut débloquer plus de trucs en ayant une difficulté plus élevée, ça fera juste des munitions en moins parce que c'est des sacs à PV quoi. Ouais, y'a un marchand là. Cool, on va pouvoir lui revendre toutes nos merdes. Sac à dos tactique 48 heures, holster, respirateur moyen long terme. Ah, les gants ils te donnent plus 10% de maniement d'armes. Ouais, mais tu sais quoi, moi je vais pas. Ça sert à rien d'acheter du loot maintenant. On va faire la première mission, on va looter des trucs, ouais. On verra après s'il faut optimiser. Je sais pas où on va. Bah, par là, moi je dirais, tiens, c'est quoi. Hop. Déployer la corde de rappel principale. Apparemment, on peut descendre en rappel. Ah, on aurait pu descendre en rappel, on est trop con. Ah, ouais, peut-être. Tu vois pas des indicateurs? Non. Au niveau du toit? Que je regardais, non. Peut-être un là, mais non. Ah, ils utilisent un camion, tu sais, en porte. On y va. En route pour collecter de la nourriture. Vous voulez nous t'as vu, ils sont marqués de partout. Attends. Non, mais on les aide pas, mec. Mais mec, ça fait des bonus au pire. Non, on bat les couilles. Mais vas-y, bon, moi je veux de l'argent, moi. Non, on va tuer des mecs. Feuille du cul, ouais, moi je veux. Mec, on est la division, hein. On est pas, justement, je te rappelle, on fait du babysitting. On est pas super U. Hein. Parcours. Ah, là, je pouvais pas. J'aime pas les chiens. On sait jamais s'ils ont la rage et tout. Niveau. Vous êtes à côté du Grand Washington Hotel. Oh. Ok, c'est parti. Fuck! Prenez l'entrée de service sur le côté est. Tu sais qu'il nous a déclingué comme ça? Oh. Ouais, ok, ça c'est vraiment trop fort. Je fais le tour. Je vais les flanquer. Un petit con. Vous serez à l'intérieur, dirigez-vous vers la cour. Allez. Allez. Ah, une caisse. De réapprovisionner. Vas-y, bouge. Inventaire plein. Alors... Ouais. Y'en a qui savent jouer, quoi. Ah bah non, moi, il manquait des munitions. Radio ennemi. Ok, je passe à droite. Ah oui. Ah, fais tout péter, mec.
grenade. Bah, je pense pas que t'aies besoin d'utiliser tes grenades. Intercepté. Vas-y. J'ai mis la... Allez tous dans la cour intérieure. Merde. Attends, y'a du loot. Quoi, qui ça? Un boss des hyènes. Une vraie saloperie. Il faut qu'on tue cette ordure. Y'a la CR SS. Ah, moi j'avais un pistolet. Vas-y, on... Bon, on peut démolir l'autre, ça. Vas-y. Ouais. Tu peux tirer sur les bidons rouges, hein, mec. Ça fait oui, j'ai vu, j'en ai fait peur. Ah, ici. Je crois quand tu... Non mais je crois que quand tu fais F en fait ça nous réapprovisionne tous les deux. Ah c'est bon ça. Bon c'est vrai que c'est un peu chiant. Regarde mec, en mode parcours, ça. J'avance. Vas-y, boss. Je passe le boss mec. Je passe à droite. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. C'est bon, j'ai un peu de hauteur. Tourelle morte. Je l'ai eu la tourelle. Ouais. Il y en a un qui descend l'escalier. Je peux m'aider à eux. Tourelle morte. Sans les escaliers SNCS. Je suis bien placé là. Il y en a en haut à gauche. Ouais, la tour elle est dessus. Il est monté au dernier étage. Prenez les escaliers à droite des ascenseurs et montez. C'est bon. Vas-y, ramasse le loot. Yep. Oh, y'a un gaz. Oh, ouais. Je suis passé dans un gaz, t'as vu, ça me. Je marchais plus droit. Ah, la même. Allez. Oh non. Attends, y'a une protection corporelle. En vrai, il faut tout prendre, sinon on démantèle ensuite. Et puis, Ça. Allez, boum. On aurait pu. Ah, fallait venir prendre ça, on est trop cons, mec. Oh là. Par contre, je fais comment pour récupérer ma tourelle? Je le fais pas, en fait. Avant, tu pouvais, il me semblait. Hein. Vas-y, j'ouvre la porte. Elle est où, la caisse? Il y en a pas. Ça va, mais... Je pense que quand on passe sur les ennemis, on a dû... Ah là, il y a une caisse, là. Oh, loup de verre. AKM. Merde, putain. AKM. Ouais, AKM, mieux que sujet. Donc ça me annule et remplace, comme on dit. Mec, pourquoi on se met à... Vas-y, je crois que je peux les contourner. Vas-y, je suis sur leur droite. C'est bon. C'est quoi ça? Ah, c'est une mission. Ah, pas de caisse. Vas-y, ramasse là la caisse là, juste voir si ça me ralimente. Ouais, je pense. Si tu y vas, ça te fait inventaire plein, je pense. Non, en fait, ça pose des munitions par terre juste devant. Pour moi. Si je suis derrière toi, je les récupère. Je prends de la hauteur. Oh là là, ça me... Ah putain, ils me viennent dessus. Et qu'ils ont des gaz ou un truc dans le genre.
Attends, je me fais un kit de soins. Hop. Ah, j'ai foutu le feu, putain. C'est V le kit de soins, mec. Ah, y'a un violet là. Devant toi. Bon. Parfait. Ouais, mais moi en fait avec la CRCS il faut pas que je m'avance parce que du coup j'ai pas de CPM et quand ils me rush. Ah, c'est pareil avec la K moi, mais ça me pose pas trop de problèmes pour le moment. M9000. Ah, t'as récupéré un MP5A2 mec. Ouais, fais voir. Ouais, tiens, alors va par exemple dans personnage. Attends, mais je l'ai déjà celui-là. Ah, puis oh, il a l'air d'avoir un. J'ai un MPX mec, à 183 de dommage, 852 FPM. Ouais, tu peux potentiellement partager l'objet. Si tu fais clic droit dessus, tu regarderas. Il y a marqué que tu peux partager l'objet encore pendant quelques temps avec moi par exemple. Non. Ah. Non, celui-là. Ah oui, il y en a certains, je peux. Ouais, ceux que MPX. Tu viens de ramasser en fait. Ah, mais il y en a un, il est niveau 3 et je suis niveau 2, c'est pour ça que je peux pas l'équiper en fait, le MPX. C'est pour ça. Ah. Ouais, ah, attends. Oui. Par contre, okay, il y a la CRCS. On va vite grinder, je pense. Du coup, attends, celui-là, je peux te le partager par exemple, la CR. Essaye de me le partager par exemple. Je t'ai partagé mon autre. J'en avais un à 214 de dégâts et l'autre à moins à 200. Je t'ai partagé celui à 200. Comment je fais? Ah, ah ouais, ok, d'accord, je peux voir sur toi. ACRSS. D'accord. Du coup, tu peux le prendre, non? Je crois que je l'ai pris. Je vérifie. Ouais, je l'ai pris, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il va. Il va remplacer mon. Ouais, quoi que non, je vais garder le vecteur encore un peu parce que j'aime bien ce. Attends, j'équipe mes gants du coup parce que j'ai eu des gants avec des meilleures protections. Ah, j'ai le M9 militaire. Ouais, je vais le prendre. Dommage quand. Ah oui, en deuxième arme. Bah oui, je suis trop con, j'aurais dû mettre mon MP5A2 en deuxième arme. Ou le MK16. Ou le T800. Oh, le vecteur, mec. J'ai le vecteur, hey, justement. Je suis con, mais j'avais pas d'arme. On ouais, se fait tirer dessus ou non? Non, c'est moi. Attends, c'est de la merde en fait. Bah, en fait, il tire très très vite. Donc, à courte portée, c'est plutôt efficace. Non. CPM 850, mec. Mon MP5A2, c'est 800 de CPM, regarde. Je préfère ça. Tiens, viens là, je t'ai déposé les munitions. Du coup, normalement, tu devrais voir les munitions devant la caisse. C'est ça? Ouais. Allez, hop. De toute façon, je pense que je vais faire fusil d'assaut et fusil. Il s'est cru dans Judge Dredd. Attends, je vais le déglinguer, ouais. À la serre. Ouh. Fenêtre du haut, à gauche. Oui. Fenêtre de haut, droite. Ça va aller? Tant que je respire pas de l'amiante, ça devrait aller. L'explosion a fait de gros dégâts. Voilà. Il est pas si compliqué que ça, hein. Non, c'est moi qui appuie sur le bouton PD. Ah, je me demande si. Non, c'est dommage. Ah, c'est comment que tu fais tes émotes là, du coup? Comme ça, merde. Ah, ah ouais, vachement impressionnant. Écran noir. C'est moi qui viens de te casser la gueule. Regarde. Ah oui, forcément. Et comment tu fais? H. H. Ah. Merci, c'est pour ton homme. Oh putain, y'a du connard. Je les dégage à la grue. Ok. J'essaye de les contourner. Vas-y, en bas. Cool. Wow. En bas, non? Ouais, je crois qu'ils sont en train d'essayer de monter.
son loot à lui là. Placement à deux balles. Ah, on s'en sort pas trop mal. Pas de caisse, non. Si, là. Oh, c'est facile. Là, 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 regarde. Et dedans, j'ai ouh, un heureusement que tu l'as vu. Heureusement que tu l'as vu, mec. Attends, j'ai quoi, moi? Oui. Je sais pas ce que j'ai eu. ACRSS. Non mais je crois que je l'ai déjà. Ouais mais en fait ça dépend, t'as des armes, elles ont des niveaux différents mec. Donc le P416, je vais remplacer mon... avec ça. Non, elles sont toutes de niveau 2 là, celles qu'on a. Ah oui non, c'est... t'as raison, il fait 258 de dégâts. Plus que l'autre. Exact. Du coup, hop. Mon MP5A2. Ah mais je peux prendre un deuxième ACR SS en fait si je veux. Ouais. Il va pas forcément avoir les mêmes dégâts d'ailleurs. J'attends les renforts. Je vous ai en visuel, Kelso. Et le sein? Je sais pas à quoi il ressemble, mais en tout cas ça grouille d'ennemis là-haut. Pas pour longtemps. Montre-moi ta salue. Oh. C'est l'heure du massacre. Attends, je vais passer à gauche du coup. Oh, il a pas aimé. J'ai même pas fait gaffe que c'était un ennemi lui. Ouais, c'est des petites merdes, tiens, j'active le scan. Tape ta précision. Ah, t'as pas aimé hein. Oh putain, le gaz. Ah, c'est la galère. Ouais. Attends, j'ai du coup. Holster. Merde, faut que je marque au rebut. Et si je démonte les rebuts, ça fait quoi? Ça te tissu, composant de châssis. D'accord. Bah oui, c'est pour fabriquer les trucs à la con, très simple. Bon, on va voir. Attention, pas de zone de réapparition là. Comment ça, attention, pas de zone de réapparition? Là, ils te le disent, on doit être dans un truc de la mission. Ah, ça doit être le boss en fait. Ouais, c'est ça. Là, réalimenter. Ici, là, réapprovisionner. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez? Ok. Tu passes à droite, tu passes à gauche? Allez, c'est parti. Je suis passé à droite, hein. Okay. Ça me dit quelque chose cet endroit, comme si je l'avais déjà joué dans. Ouais, ça me rappelle à peu près au milieu du jeu quand on était sur les toits. Ouais. Si. Attends, je les dégage à la grenade ceux qui sont là-bas. Vas-y, vas-y. Je suis en train d'avancer moi. BOUM. Ouais, c'est parti. J'ai pas le scan en fait. Oh, je vois rien mec, quand tu fais poser comme ça. What the fuck mec? Je vois rien. Il y a un putain de drone qui est en train de faire le taf là, je sais pas si t'as vu. Ouais. Sur la droite. Ah oui, le sein il est sur moi mec. Le quoi? Le boss en fait il est juste derrière moi quoi. Attends, je vais essayer de te revive. Attends, j'essaye de bouger à couvert. Tu peux te mettre à couvert là? Ouais, ça a l'air de passer. Merci.
Ouais, bon, sur la grenade. Boum. Ouh, y'a du loot. Hein. Protection corporelle et sac à dos, t'as reçu. Attends, y'a un autre. Attends, y'en a un là. Les drones, ils sont trop intelligents, ils savent où ils sont quand même. Ouais, m'a l'air pas mal le drone en effet. En fait, on a fini là. Ouais, ouais, il faut la secouer. Non, faut regarder s'il y a pas un truc de loot quelque part. Ah, il me bloque. Non, mais moi je vois plus de loot nulle part. Ah, objectif. Ah si. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en état de choc. On se retrouve au théâtre plus tard. Je la ferai sortir quand elle pourra. P5 à 2. Moi je prends toutes les armes, de toute façon comme ça après on les démantèle mec. C'est ça. Bon bah on a fini hein. Je crois hein. Sérieux, t'as pu choisir la difficulté de la mission? Non non. T'as rien choisi. Je vais laisser tel quel. Attention, il y a beaucoup d'ennemis qui entrent dans le bâtiment depuis la rue. Descendez et occupez-vous d'eux, je me charge d'Eleanor. C'est les zones en fait qui ont des niveaux. Oh, on va descendre en rappel. Ouais, ah, je non, me souvenais que les missions qu'on avait déjà fait, on pouvait les relancer en mode ultra dur, tu sais. Ouais. Je sais pas si t'en souviens de ça. Ah, si tu veux relooter derrière, ouais. Non, genre on avait un mode New Game Plus. Mais de mémoire, le, le loot c'est toujours selon le niveau de la mission, mais. Ouais, mais il y avait genre un niveau en plus, tu sais. Ouais. Oh. Eh, tu peux tirer sur les ennemis s'il te plaît à droite? Bien sûr. Les ennemis ils sont à droite. Voilà. Je te sais pas, c'est la porte que je visais. Bah oui, mais... Oh là là, les gaz. Je vais être étourdi mec. Ça tu t'éclates avec ta tourelle avec. Ouais putain, c'est bon j'ai pété la porte. Oh y'a la masse, ah y'a des. Ah ça arrive sur. Ah ouais mais c'est. Ouais non. Putain c'est toi qui a tout le fun quoi. Bon plus une compétence. Eleanor est avec nous. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Je la ramène à la maison. Oh mon dieu. Alors attends, parce que là il y avait une zone sur la droite là. Niveau supérieur et techno SHD. Ah non, en fait c'est par là qu'on était arrivé, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais moi j'ai du loot là. Ouais, moi j'ai du loot droit devant. Ouais, on a le niveau de compétence à la base d'opération. Je pense que je vais prendre un truc agressif, genre les mines. Bah, faut prendre une deuxième compétence, ça c'est sûr. Là, la mine auto, ça me paraît pas très mauvaise idée en effet. Alors attends, on va vérifier un truc. Est-ce que tu peux pas ouvrir la map? Tiens-tu là? Attends. Ok, bon, Ok, attends. Go la base. J'étais en train de regarder si j'arrivais pas à ouvrir la map pour pouvoir faire un voyage rapide, mais je sais pas comment ouvrir la map. Peut-être M. Eh, hey, des dégâts de chute, mec. Dégâts de chute.
L'arme de poing, mec, t'as munition illimitée. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà. Bien ça. Ça, je vais voir si je peux pas me prendre un gros truc de malade. Ok, donc on est dans le hub. Tiens, t'as vu là, regarde. Ah non. Sur la map, tu vois, on a des zones. A mon avis, ça va être comme la dernière fois où en gros il va y avoir des secteurs à la con. Ouais, ouais, bah c'est ça. Faut aller voir la base principale après. Tiens, bonjour, agent. Ah, bonjour. Alors, je suis plus. Alors, Inaya Alka, machin, elle fait de la fabrication. Lui fait des missions. Retournez voir Odessa, donc Odessa ça doit être ça. Ouais, c'est pour finir là. Bien sûr. Allez. Sa fille elle, elle est non, c'est la meuf qui jamais, nous a aidé. Odessa. On a de plus en plus de mal à tenir le coup. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Que vous nous aidiez. Mais je vous aide. Je fais que ça. Vous bah, aidez. Elle a, t'as vu le casque qu'elle a sur la tête, la meuf? On a besoin de vous sur le terrain. Votre jambe ne sait pas un problème. Ça a rien à voir avec ça. Je le sais. Non, elle a pas de casse, hein, chez moi. Mais non, mais les cheveux. Si jamais on échoue. D'accord. D'accord. Allez, rendors-toi. Allez, une jambe. On doit pouvoir vous envoyer du monde. Non mais meuf, t'as 12 ans, barre-toi, c'est un champ de bataille je ici. Mon verso est vraiment trop classe, mec. Ah ouais, il a une bonne gueule de crapaud, ça me fait. Ça, j'oublierai pas. Lannister paye toujours l'air d'être. Ouais, ouais. Mais elle a toujours sa tête, ta fille, t'inquiète, y'a pas de problème. Alors, le guidage GPS vous guidera à votre destination active lorsque vous serez en extérieur. Ok. Vous pouvez activer ou désactiver le guidage dans le menu paramètres en affichant la carte ou en appuyant sur T. Attends, moi le guidage je GPS montrera toujours l'itinéraire le plus rapide pour atteindre votre destination. Cependant, le meilleur chemin n'est pas forcément le plus rapide. Alors, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et participer et explorer la ville. Blablabla. Un habitant vous a confié un pistolet lance-fusée pour l'aider à reprendre des points de contrôle aux factions ennemies. Pour capturer un point de contrôle ennemi, rendez-vous sur place, lancez une fusée, triomphez des ennemis présents. Au-delà de la diminution de la présence ennemie, la capture d'un point de contrôle donne accès à des équipements et matériaux de valeur. Ah. Cool. Donc là, on est à le musée, le machin, le bidule. Il faut faire les missions de merde, là, basiquement. Oh, sac à dos, tactique, s'en équiper. Du coup, le reste, on peut y marquer comme rebut ou on peut tout démanteler? Une nouvelle mission principale pour continuer à améliorer le refuge, menez bien. Menez bien les missions principales, débloquera aussi des plateformes de compétences. Qui est l'intendant de la base d'opération. Et de l'amélioration, les refuges. Et les refuges pourront affecter du personnel à la base d'opération après chaque amélioration d'un refuge, retourne ici pour recruter. Ah d'accord, faut aller recruter. Personnel débloque des services à la base d'opération, par exemple la fabrication. Ces nouveaux services permettent de continuer d'améliorer votre personnage et de prendre part à des nouvelles activités. Ah. Mission SHD rapporte des technologies SHD. Les technologies SHD représentent un élément majeur de l'arsenal d'un agent de la division. Ils peuvent être utilisés pour débloquer des variantes de compétences et des bonus auprès de l'intendant. C'est aussi possible d'acquérir des technologies SHD en menant à bien des missions annexes SHD ou en faisant des sites de techno SHD. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de faire un voyage rapide jusqu'à la base principale ou pas? Si, déplacement rapide. Bah attends, je fais un déplacement rapide jusqu'à la base principale du coup. Pour débloquer mes trucs là. Mais attends, on est niveau 3. Ah oui, ça y est, on est niveau 3. Ah, lui il fait quoi? Plus 2% de coups critiques, plus 2% de dégâts d'armes. Intendant. Protection contre ennemis. Ouvrir le menu. Hop, compétences disponibles. Tu vas prendre quoi du coup? Ah oui, je peux partager l'objet avec Gulchok. De quoi je vais prendre quoi? Ah, en compétence? Je sais pas encore. Attends, comment tu fais pour bouger la base d'opération rapidement? X, tu sélectionnes là où tu veux aller et t'appuies sur X. Alors, débloquer. Frappeur suit les cibles et tente maintenir un visuel sans cesser de tirer. Ah oui, c'est avec la... Défenseur. Défenseur tente de faire dévier les projectiles ennemis grâce à l'émetteur sonique monté sur drone. Oh putain, c'est énorme! T'as un drone, t'as un des drones en fait, il dévie les projectiles.
préfère un truc plus agressif qui fait du dommage. Je pensais les mines. Bombardier. Une fois que l'agent a défini deux points, le bombardier largue une charge explosive miniature entre les deux. Entre eux, pardon. C'est où déjà les compétences? Ah oui, c'est là. Ah. Avec l'intendant. Réparateur. Le réparateur restaure intégralement la protection des alliés à proximité. Ou peut-être configurer manuellement afin de cibler un allié spécifique. Ça, c'est un heal en fait, basiquement. Je peux prendre un drone qui heal, par exemple, moi, en défensif. Ouais, moi je vais prendre la variante de mine téléguidée, mec. Ok. Bah, je prends le heal dans ce cas-là. Je vais prendre l'explosive, moi. Quoique la sous-munition. Ah, bah la sous-munition, j'en ai des bons souvenirs. Hein. Sous-munition téléguidée, c'était marrant. Ouais, je prends la sous-munition. Allez, du coup, c'est qu'il faut que je la mette déjà. Alors, dans les bonus, j'ai aussi une techno bonus, moi. Kit de protection, vous pouvez maintenant porter un kit de protection de plus. Grenade, capacité d'inventaire augmentée. Comment tu fais déjà pour les sélectionner leur place sur les mines ? Sûr ? Pour pouvoir lui dire A ou E ? Ah, je sais pas, j'ai pas encore vu. Oh. Dans compétences auxquelles tu l'assignes. Et du coup, on n'a pas un bonus aussi ? Ouais. Kit de protection, mec. Ah si, on peut avoir des bonus. Clapet de ventilation 556. Oh, d'accord. En fait, les chargeurs, les optiques, les machins, en fait, c'est des bonus, quoi. De la merde. Accéder à une prime difficile par jour. Je peux débloquer ça. Je sais pas ce que c'est. Non, moi je peux pas. Je vais prendre la prime difficile. Il faut niveau requis 30, tu peux pas, mec. Regarde, tu peux pas la débloquer. Là, c'est la prime expert. Ah non, en dessous c'est Otis Skykes. Faut battre un boss quelque part. L'inventaire ressources peut désormais contenir 50 unités de vivres, eau et composants. Je pense que les éminations par headshot remportent un bonus d'XP, ça peut être pas mal. Ça permet de grinder plus vite. Bref. Après, je vais plutôt. Non, prendre... je vais augmenter la capacité de l'inventaire, ça me permettra. La même, je pense que je vais faire pareil. C'est toujours bien d'avoir la masse truc. Ok, donc compétences. Pour elle. Tu peux débloquer des modes en plus après. Je sais pas comment faire pour le mettre sur le A ou sur le E. J'ai réussi tout à l'heure, mais là je sais plus. Voilà, attends. Demande de développement proche. Ça. Marqué comme rebut. Je vais faire mon... Ah, c'est quoi? Ah, ouvrir ça, d'accord. Non mais contenant. Fusil de calibre 12 à double canon. Gilet machin niveau 3, d'accord. Tu as dans ton inventaire, t'as des caches. Je sais pas si t'as fait attention. Non. Alors, regarde, quand tu ouvres ton inventaire. Dans les équipements, tu mais prends le troisième de la colonne du milieu. Attends, tu parles pour le sélectionner les... Non, en fait, va dans tes équipements. Dans tes équipements, tu regardes la deuxième ligne, le troisième truc. Ouais, cache. Ouais, j'ai un truc, ouais, mais je l'ai ouvert. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est truc-là. Pour changer les emplacements des compétences, du coup, va dans l'inventaire, tu vas dans compétences, tu fais OK, tu choisis ta compétence, tu fais espace, et ensuite, tu peux faire affecter à un emplacement. Tu alors, attends, dans espace, inventaire, ensuite, compétences... Ah oui, ok, voilà. C'est là, d'accord, donc j'ai mis le drone, effectivement. Tu la sélectionnes, et moi du coup j'ai A sur le heal. Ok. Je lui vendrais bien mes armes dont je me sers pas en fait à lui, parce que du coup... Je sais pas, moi j'ai bien l'impression que je vais recycler des trucs plutôt. Ouais, j'ai commencé à faire ça, ouais. Mais bon. Je me souvenais que c'était plus utile de recycler que revendre. Genre les petits trucs de merde tu les recycles, et les trucs un peu plus chers tu les revends.
Donc ouais, donc là-dedans il y a quoi? Alors j'ai un fusil à pompe. Il a un M1. Ah non, j'ai pas les. Non mais achète pas des armes de bas level, mec. À partir du niveau 20-25, il faudra qu'on regarde pour en acheter. Mais avant, il vaut mieux les looter. Hein. Certes. Donc bah écoute, je vais garder mon AK, je crois. Moi, le MP5A2. Alors, ça, je vais le vendre parce que j'aime pas du tout. C'est de la grosse merde. Faut faire ça. USC, c'est un Vector, ça. Ouais, c'est un Vector. USC 45 ACP, c'est pas un Vector, c'est. Mais oui, c'est tout comme. En fait, non, c'est même pas un Vector, c'est même pas tout comme, hein, très honnêtement. C'est un fusil en 45, quoi. Je dirais un UMP, en fait. MP5A2, de niveau 2. Ouais, celui-là, je vais le vendre. Non, mais c'est bien, en vert, c'est ceux qui sont équipés, donc tu sais si tu peux les vendre ou pas. Cet ACR il est moisi. On va faire 252. Ah, c'est ça, j'en ai un autre. En vrai, moi je pense que je vais lui vendre tout ce qui m'intéresse pas et que j'ai pas posé. Hein. Ouais. Après, j'ai un ACR ASS 232 de damage, ça t'intéresse. Ah, H équipement. Tactage créé. C'est pas ce que quoi correspond. Ok, donc là-dedans, en fait, il faut que je sélectionne tous mes rebuts. Attends, le MPX, on peut le mettre, en fait. Mais en fait, c'est de la grosse merde. Alors, attends. Le vert, je vais le revendre. Et le gris, je vais le taguer rebut. Non, non, en fait, c'est bien. MK16. Je sais pas à quoi ils servent, ces fucking composants, en fait. Certainement à crafter une lunette ou des trucs en plus, quoi. Modification rail optique. Alors, en fait, il faudrait que j'ai. Okay. Mais moi, bon. Le pire, c'est que j'en ai des composants là, mais je sais pas où ils sont. Ah, attends. Ouais. Le marchand, on va lui vendre ses. Vendre. Ce qui me sert à rien. Il y a des talents d'armes aussi, mec. Pour... Ah, si, ils sont là, les matériaux. Ah, ok. Du coup, je peux lui vendre les matériaux, y'a moyen. Vendre. Ouais, ou en acheter. Mais à quoi servent les matériaux par contre? Mais dans vendre, je vois pas les matériaux. Non, je vais explorer la base là. Des armes en fait. Ah si, là y'a quelque chose. J'ai acheté une pour acheter un M1A classique, mec. C'est la base. Ah, il y a un autre marchand ici. Oui. Ah, le M1A, ouais. Pff, je pourrais me l'acheter si je voulais. Mais non, très honnêtement. Il est où l'autre marchand? À l'intérieur? Non, dehors. Par le tour. Juste là, hein, regarde derrière toi. Ouais, j'ai rien dans ma réserve. Là, tu pars à gauche. Et je crois qu'ils vend la même chose. Ouais, ils font la même chose. Par contre, j'arrive pas à vendre mes matériaux. Je pense que les matériaux, tu peux pas les vendre. Y a que dans le menu de vente, j'ai que les armes en fait. Ah, ouais. Mais encore une fois, je sais pas à quoi servent les matériaux. Je suis en train d'essayer d'explorer un peu là, voir. Dispositif électronique portable détecté. Ah, il est où le dispositif électronique portable détecté? Au-dessus. Je vois pas trop l'intérêt de la base pour le moment. Matériaux. Et reparcourir catégorie. Ouais, munitions, mode d'armement, matériaux, je sais pas quoi. Ouais. Matériaux, je t'avoue que je. On va les garder, hein, mais. Céramique, 5 sur 100. Ah, à l'étage, mec. Il y a un truc, projet. Affiché projet. Projet équipe d'entretien, projet objectif équipé groupe de chasse, théâtre, schéma, mire métallique épurée, ce schéma débloque un mode de ride optique qui augmente la vitesse de rechargement et diminue la probabilité critique. Théâtre, équipe d'entretien, schéma,
On a une équipe de techniciens travaillant jour et nuit pour blablabla, objectif. Ah, c'est là. Donner acier, donner protection de poitrine, neutraliser l'activité hostile. Pardon. Acier. J'ai 5 d'acier, je vais y donner, je sais pas. Non, non, je vais pas y donner. Ok, mais en fait, là, viens, à l'étage, en fait, t'as un espèce de truc un peu débile, là, j'ai l'impression. Franchement, heureusement que vous êtes là. Vous êtes au courant ? De quoi ? Pour Waller. Dans le projet ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a décidé que c'était lui, finalement. Ouais. Non, il est mort. C'est une plaisanterie ? Non, je vous assure. Il a fait un arrêt cardiaque, il y a une heure. Ils ont pas réussi à sauver. Ce schéma débloque un don, un mode sous canon qui augmente la précision et diminue. Ouais, 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 mais tu vois, en fait, il faut donner des espèces de ressources. Ouais, bah du coup, le polycarbonate, j'en ai, moi, je peux en donner. Ouais, mais n'en donne pas tout de suite, je pense. Il vaut mieux qu'on aille voir vraiment à quoi ça sert. Parce que. Bah, j'ai donné le polycarbonate, maintenant il suffit de donner des gants et perturber l'exécution publique lors de la mission. Et ensuite, on revient et on a le mode, quoi. Du coup. Ouais. J'ai investi le polycarbonate, je pense que c'est fait. Et je pense équiper groupe de chasse. Groupe ouais, de chasse, c'est projet équiper groupe de chasse, c'est pareil, tu vois. Moi j'ai de l'acier apparemment, mais je sais même pas où je l'ai en fait. J'ai 5 d'acier. Mais je sais pas d'où je sors mon acier en fait. Je sais pas, en ramassant peut-être. Il faut donner une protection de poitrine, j'en ai pas. Neutraliser l'activité hostile. C'est peut-être les mecs qui nous demandaient d'aller à la bouffe, machin en fait. Les schémas débloquent un mode de raid optique qui augmente la vitesse de rechargement et définit. En fait, je crois que les modes, peut-être qu'on les a uniquement en achat ou dans ce genre de missions secondaires. Ça, c'est des missions secondaires en fait, ces projets. On pourra les faire pour améliorer nos armes si on veut, genre machin, tu vois. Bon, en vrai, pour l'instant. Matériaux. Ah, ça y est, je suis dans mes matériaux. Alors, dans mes matériaux, j'ai monnaie, provisions, j'ai que dalle. Et après, j'ai composants de châssis. Tissu protecteur, acier, fibre de carbone, polycarbonate, céramique, électronique et titane. Ça m'a l'air un peu bordélique toute cette histoire. La bouffe qui vient d'arriver ? Non, mais ça devrait pas tarder à sonner pour que je descende. Bon bah si tu veux on fait une pause maintenant. Ouais, on peut faire une petite pause dans une heure, à 22h. Ah, même avant je pense. Ouais, moi la bouffe elle va arriver, enfin normalement elle devrait arriver d'ici dans les 10 minutes parce qu'ils ont déjà 10 minutes de retard. Et après moi il me faut une petite demi-heure pour manger donc comment t'as déjà mangé toi? Oui, j'ai déjà mangé. Ouais. Tu sais comment faire pour ouvrir la map? Oui, virgule. Virgule. En fait, il faudrait qu'on commence par faire les missions de merde. Alors, il y a une planque pas très loin là. Je sais pas si t'as vu. Oui. Trouver note de l'agent. Activité inconnue, mission principale, forteresse. Il y a une forteresse aussi là. Contrôle. Bah, en fait, t'as les t'as les missions principales, machin. Après, on peut essayer de clean up chaque zone, les missions principales et les sous-missions dans chaque zone, et ensuite aller. Je pense qu'il y a moyen qu'on aille faire la Jefferson Trade Center direct là, tu vois, c'est une autre mission principale. Ici Briggs, musée d'histoire, musée Viewpoint, Jefferson. Moi j'irais bien à la planque juste avant. Ouais, trouver des notes. C'est juste à côté là. Activité inconnue, site de démolition, point de contrôle. Ouais, comme ça quand on redescend, il y a un point de contrôle. Je pense qu'il faut qu'on pourra le récupérer, parce que je crois qu'il faut le récupérer. On a une activité inconnue et ensuite on peut aller faire la mission principale. T'en penses quoi? T'as la forteresse aussi, hein. Ouais, mais elle est verrouillée pour le moment. Ah oui. Il faut que. Ah oui, il faut qu'on soit niveau 26 en fait. Ah oui, bah ça sera pour débloquer les niveaux 26 à 29 à mon avis. Ouais. Donc niveau... moi ce que je te propose c'est on va à la planque, ensuite on redescend, point de contrôle, point d'interrogation, et ensuite on fait la mission principale. Ouais. Bah allez, go la planque alors. On peut pas faire de déplacement rapide. Non. Hey. Oh, c'est pas très loin. Merde, putain, mais je. Ah, c'est bon. Attends. Comment ça c'est. T'as réussi à y aller. À y aller Non, faut y aller à pied, hein, tant qu'on y est pas allé une fois. Ouais. Bah justement, j'y vais à pied. En train de suivre le GPS. Oups, bah alors. Non mais le jeu il est pas bugué hein.
n'est pas bugué, c'est juste moi qui suis un peu débile. T'as activé la touche maintenir pour sprint ou... Non, non, je maintiens pas pour sprint, j'appuie. Ouais, ça suffit. Ouais, ah, sur la gauche, il y a du tir apparemment. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je recharge mon fusil! Ok, mais fais vite! Ouais, sinon vous nous donnez de la thune pour avoir aidé ou. Attends, j'ai mieux. Attends, j'aurais dû tester mes mines! Attends, je vais tester mes mines là-bas! Attends, regarde! Vas-y. Comment ça se lance? 28 mètres. Regarde! C'est parti, elle est partie! Oh là là! Oh fuck! Excellent! Oh le merde, j'avais pas vu! Fusil de chasse, il est pas mal hein! Fusil de chasse, il est pas mal hein! Tiens, je t'ai donné un nouvel ami. Il sert à quoi du coup? À te revive. La prochaine balle, c'est entre tes yeux. Ah, il me donne de la santé, mec. Ouais. Nice. Hop, je l'ai désactivé. Putain, y'a un téléphone là, apparemment pas loin. J'ai la bouffe qui arrive, mec. Je vais me caler dans un coin et je me repose. Bon, je cherche un truc. Bah écoute. On va attendre. Vas-y, j'ai la bouffe qui arrive. Je me planque dans un coin là et... Ouais, vas-y, vas-y. Je vais me... Je vais... Pareil, du coup. Viens vers moi, du coup. Il y a un bar. T'es où? Ouais, ah, je suis pas très loin. Il y a un bar dans lequel tu peux te planquer. Là, je cherchais l'espèce de téléphone qu'il y a. Je sais pas s'il est dans la zone et qu'il faut le trouver ou s'il est pile poil à l'emplacement donné. Ah, c'était ça. Vas-y, je descends, je vais. Hop, et ben voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On passe. Ouais. On va arrêter la première session ici, je pense. Allez, zou, 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 zou.